L'une des conférences de presse les plus attendues, celle de Mahamat Saleh Haroun, réalisateur de L'Homme qui crie. L'homme du jour est cinéaste et journaliste de formation. Il est témoin de son temps. On tournait ce film et on se disait qu'à tout moment, en fait, le vent pouvait tourner. Du coup, ça rendait la chose, en fait, pour nous, capitale, essentielle, et que vous comprendrez qu'on ne pouvait pas faire, enfin, que dans cette situation, on ne peut pas faire du divertissement. Mahamat Saleh Haroun sait parfaitement où il va. Ce n'est pas le cas du personnage principal de son film, interprété par Youssou Diaouro. Il incarne un père rattrapé par l'âge et qui voit son fils prendre sa place. Un conflit de génération d'une grande banalité, raconté avec... L'Afrique prouve depuis des siècles, puisqu'on a eu l'esclavage, la colonisation, qu'en perdant nos traditions, nous devenons de plus en plus forts et que nous continuons d'exister. Donc qu'on ne me fasse pas des films sur les traditions en nous disant que si ça disparaît, on risque de disparaître. C'est pas vrai. Après Darat, Abuna et Bye Bye Africa, un homme qui crie boucle une trilogie qui a en toile de fond la violence et en filigrane le thème du père. Le père, une obsession chez Haroun ? Quand j'ai commencé à poser ma caméra au Tchad, je n'ai aucune image d'un cinéaste tchadien, en fait. Donc je n'ai pas de père et c'est en cela que ceci m'obsède peut-être. J'ai peur. Je ne vais pas mourir mon cœur. Saleh Haroun nous décrit une Afrique qui n'a pas encore exorcisé ses démons. Vengeance, guerre et regret s'alternent. Pourtant, un homme qui crie a séduit les cinéphiles, bien sûr avec des sentiments mitigés. C'est une très belle histoire. Et avec un acteur qui, à mon avis, va avoir le prix d'interprétation masculine. Ça m'a paru un peu lent, mais très beau finalement. Très beau film, les acteurs formidables, super casting, et on en sent retourner. Un homme qui crie n'est pas un ours qui danse. Les personnages le démontrent pendant 1h30, serré, large ou zoomé. Saleh Haroun et sa caméra nous décrivent une Afrique debout, malgré un quotidien pas toujours rose. La force du film, ces personnages qui forment une famille.